Après avoir vaincu le fou du cirque, Alisa se retrouve plongée dans les sous-sols du manoir. Elle finit par retrouver le traître, mais celui-ci s'échappe à nouveau. Plus tard, elle parvint à réactiver l'ascenseur du manoir et échappe de peu à un piège mortel. Dans les sous-sols, elle fait face à d'horribles monstres. Elle atteint alors les jardins du manoir et fait une étrange découverte. Qui ose pénétrer dans mon jardin? Tu es là pour voler mon trône, n'est-ce pas? Voyons voir de quoi t'es capable. Super, encore un boss quoi, youpi! Non, je crois pas, non. Elle essaie de me mettre un coup. Elle pompe, c'est de la merde quoi! Oh, quoi? Déjà, ça m'a touché ça? Oh putain. Dodge this. Ça va, tranquille. Recharger dans le jeu, c'est un peu comme les potions dans Dark Souls. C'est le moment où tu te fais éclater en général. À quel moment je vais pouvoir recharger mon pompe quand tu vois la lenteur qu'elle prend à recharger? Voilà, c'est la merde. 4, 5, 6, 7, 6, ok. Mais regarde ça, et putain, elle est tellement longue à recharger ce putain de pompe. En plus, qui fait zéro dégâts, quoi. Oh putain, là, je viens de faire l'erreur du siècle. Je suis mort, et voilà. Oh putain. La barre de vie est vide. C'est de la daube le pompe, c'est de la daube. Oh bah c'est bien mais... Oh là, oh putain, mais sérieusement quoi. Arrête de courir, sinon je pourrais jamais recharger mon flingue. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, d'accord. Mais c'est insane, tu vois pas de où je me mets pour recharger mon flingue? Et j'ai le temps de me prendre un hit, quoi. Ouais, bah j'utilise plus le pompe pour les boss, hein, c'est de la grosse merde. Salope. Je crois pas, non. Putain de courir! Je vais lui mettre une petite balle de peupon quand même, mais bon. Normalement je suis assez loin. Hey merde, j'ai parlé trop vite. Putain, elle a même pas rechargé cette connasse. Oh. C'est abusé, c'est putain, je suis mort. C'est abusé.
Le dernier balle, c'est dans ta gueule. Non, je recharge, je te finis. Non. Putain. I can't let you say it's... Si, oh. Si, si, je vais tout voler. Surtout tes petites pièces mécaniques. Sorry. I just came to grab this. Je suis juste là pour prendre cette clé. Et oui, 19 seulement. 20. Et j'ai eu quoi comme clé du coup? Sa main. Ouais, c'est la clé. Main droite. Et recharger mes flingues. Lâche pas d'objet. Et ben si, je vais prendre ton trône quand même. Trop gros, trop froid et grand pour mon popotin, cela dit. Bon, bah faut que j'aille utiliser maintenant la clé main droite. Qu'est-ce qui se passe? Il fait jour. Regarde mon sublime jardin. Les fleurs pour chaque saison toute l'année. Si seulement tout pouvait être réel. Alors, devenu la nuit. Alors, est-ce qu'il y avait ce chemin-là? Alors, ici, il y avait peut-être une porte à ouvrir avec la clé. Si vous voyez depuis l'autre côté. Forme de main droite, voilà. Je peux pas ouvrir cette porte-là? C'est chiant, ça m'aurait fait un putain de raccourci quand même. En forme de main droite, ok. Putain, j'ai quasiment plus de balles, Martin, là. Ah ouais. Putain. Boîte de munitions Hans. Portail est bloqué, mais il n'y a pas de verrou. Bah, c'est une blague. Ok. Bon, bah, je suis pas plus avancé du coup. Super. Je vais retourner dans le cirque. Hein, on peut pas voir s'il faut pas utiliser le médaillon Poséidon. Ah bah voilà. Ok, il y a ascenseur ici. Rien d'autre. Mais rentre, connasse. L'ascenseur ne fonctionne pas, toujours pas. Ok, bon, je suis toujours autant perdu. Peut-être qu'il refonctionne maintenant l'ascenseur du fait que j'avais réactivé le courant. Ah ouais, ça marche. Ouais, mais je reviens là, on s'en tape.
Ok, bon ben, peut-être qu'il faut que là, du fait que je l'ai activé ici, j'aille en haut et peut-être ça a débloqué un truc, j'en sais rien. Parce que là, clairement, l'ascenseur, inutile quoi. Ah non, il est là même en plus. Ah, à moins peut-être qu'il va monter du coup. Ah bah voilà, il monte. Ok, j'ai bien fait. Une chapelle. Ah. Peut-être l'objet qu'il me faut, le disque guerrier. Ok. C'est tout? Il n'y a pas de verrou. Le disque guerrier, ouais, bon bah. Je vais pouvoir ouvrir la porte tout en haut au deuxième étage. Parti. Alors, là je suppose que ça va être le guerrier, l'autre c'est Poséidon. Ça va être le guerrier. Et l'autre c'est Poséidon. Merci. Ok, on est de nouveau à la chapelle. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Oula. Cette créature est beaucoup trop forte. Je ne dois pas l'affronter, mieux vaut l'éviter discrètement. Laisse-moi prendre mes petits... D'abord voir ce qu'il y a ici. J'ai ouvert la serrure, la porte est ouverte. Ok, je suis revenu ici, donc je pourrais sauvegarder si besoin. Par contre, c'est bien de jouer l'infiltration, mais si je vois pas en face... Un chandelier en bois solide, rien d'utile ici. M'a vu. Il y a un objet derrière. Oh. Putain. J'ai du mal à admettre que j'échoue, mes patients se pétrifient et meurent sans cesse. Flora et Isabella a déjà réussi à immortaliser les plantes. Si je trouve un moyen de réanimer les morts. C'est bon, il s'est calmé. Oh merde, il m'a entendu quand je... J'ai pris de tarif. Sur des medikits, j'en ai plein. Par contre, la caméra, gros...
J'aimerais voir où est-ce qu'il est le robot, quoi. Putain, ça c'est niqué. Est-ce qu'il y a quelque chose au milieu? Je pense pas qu'il doit y avoir quelque chose au milieu, je vais pas prendre le risque. À moins que là, ouais, là, s'il se barre vraiment loin. Oh putain, sérieux quoi? Doigt de Dieu, la naissance de l'Institut. On s'en fout. Oh bah je vais crever. Je me suis fait massacrer. Ah, c'est génial, là, je vois même pas où est-ce qu'il est. Allez, on passe. T'as la caméra foireuse, quoi. J'espère que je suis bien caché. Pas de verrou. On trace. Qu'est-ce que c'est? Des boîtes de munitions Lewis. C'est pour ma mitraillette, ça, je crois. Ouais. Un deux leviers. Ok. Et là, ça déverrouille ici. Ça déverrouille là. Ok. C'est parti. Ah d'accord, ouais. Ok. On va peut-être aller voir d'abord la grille en bas. C'est parti. Ah là, normalement, il n'y aura pas d'ascenseur. Non. On va aller voir la grille en bas d'abord. Donc là, on a des munitions. Hans. Toi, la grille est déverrouillée. Que dalle. Un étrange dessin. Qu'est-ce que ça peut être? Oh, je vais prendre en photo ça. À mon avis. Ça va avoir une utilité. Il y a des plans pour fabriquer une sorte de bombe. Quelqu'un était en train de l'assembler mais n'a pas terminé. Voilà ce qu'il manque pour la fabriquer. Mécanisme de remontage, agent chimique type A et type C. J'ai rien de tout ça. Ok, bon bah... Ah! Bon, on se casse. Bon, on est revenu ici. On va prendre cette porte. Presse-papier. Agents chimiques A, B peuvent être trouvés au niveau supérieur. Agents chimiques C sont rangés dans la salle d'opération du rez-de-chaussée. Il faut la permission du docteur Edmonstone pour utiliser tout agent chimique de type C. Tableau noir et propre. L'engin de raffinage chimique. Ah, je suis pas plus avancé là. Hein. Je peux pas faire des potions, une connerie comme ça. Oh merde. If it isn't our crow again. Wait. I'm just here for the blueprint. Je suis juste là pour les plans. Oh oh oh, disparu depuis longtemps. Il se croit pour le roi, du coup, Frodon. Plan de ton empereur ne m'intéresse plus maintenant. Ma sécurité est assurée ici. Depuis que je suis devenu le roi du château.
What are you talking about? Quoi tu parles? Je suis dans la merde. Oh putain, carrément! Magnifique, vraiment impressionnant. Putain, le mec il vole. La force qui t'a fait survivre jusqu'ici est certainement un obstacle. Cependant, j'ai reçu un grand pouvoir. Je suis littéralement invincible. Ta fin est donc arrivée. Il y a eu les munitions là, les bâtards. What the fuck? What the fuck, c'est quoi ce bordel? Je peux plus tirer? Oh genre j'ai pris quoi. Ah! C'est original comme boss. Esquive. Putain, c'est pas évident à viser. Pourquoi il tire pas tout le temps? Oh, faut que je reste enfoncé sur le bouton. Putain, mais je suis vraiment un connard. Putain, sa barre de vie, elle est immense en fait. Il a son rage. Ah non. Plus de pute. Eh non mon gars. Heureusement que j'ai pas de temps. Ce sera infect sinon. Bah arrête de bouger putain. Le jour je prends quoi. Mais d'où je prends ça? Allez, crève. It's over. C'est terminé. Ok, d'accord, il devient un gentil robot gratuitement. Everyone becomes mad here. Tout le monde devient fou ici. Cette chose-là, elle possède un pouvoir d'outre-monde. Elle protège cet endroit. Tu dois la détruire. Il y a une bombe chimique incomplète dans une pièce près de la bibliothèque. Ouais, bah je sais. Mais pourquoi? C'est ta seule route d'issue ici. La seule sortie est barricadée. Mais une fois cette chose disparue, tout cet endroit tombera en miettes. Et là, t'auras une chance.
I trust you. Pourquoi te faire confiance? Because you have to Parce que tu dois connaître la vérité concernant les plans de ton empereur. Il y a des gens dehors. Là dehors, ils te montreront. L'empereur n'est pas un menteur. Un gros sac de roues dentées. Mais du coup, je ne suis pas plus avancé. Ah, la porte là, c'est vrai qu'il faut que je la fouille, mais je vais d'abord récupérer l'objet qu'il y avait là. Un kit médical en plus. Ah, oh, je suis dans la merde en vie, non? Ah, ok, c'était la barre de vie du robot. Ok, ici je suis pas venu. Petite barrière protège quelque chose, on dirait une sorte de pièce mécanique. Chandelier en bois solide, rien d'utile. Ces bougies ont l'air spéciales. Ah bah voilà. Peut-être que je dois toutes les allumer. J'ai bien fait de prendre en photo parce que putain, sinon je m'en serais jamais souvenu. Ok, c'est parti. Ça n'a pas marché. Et voilà. Sa clé d'embobinage, c'est le mécanisme pour la bombe. Et l'autre truc, c'est au rez-de-chaussée, ils avaient dit, mais où? J'ai pas de clé supplémentaire. Je vais relire le document. Niveau supérieur. Agents chimiques C sont rangés dans la salle d'opération du rez-de-chaussée. Ok, donc j'ai un fusil à pompe maintenant. Utilise les munitions Bob. Ce sera beaucoup mieux. Bon, faut que je trouve les agents chimiques. Je vais t'allumer. Allez, viens. Putain, mais vas-y, crève, quoi. Il y a un truc là-bas, on dirait, non? Un truc qui me court après. Au secours! Casse-toi! Il y a un autre truc au bout du couloir là. Normalement c'est ici, non? J'ai pris ce qu'il me fallait. Ah non, ça n'a pas pris du tout là. 4 roues dentées, ok, d'accord. J'ai même pas vu qu'il y avait ça. Oh, le produit chimique de type C. Mais les autres, ils sont au niveau supérieur, mais je les ai pas vus, hein. Faut que je les trouve, hein.
Ah bah voilà, c'était là. Les chimiques qu'il me faut ne sont pas là. Ok, bah j'ai ce qu'il me faut normalement, non? Ah, j'ai pas l'agent chimique A. Bah si, je l'ai. Ah non, j'ai pas le... C'est le B, je crois. En fait, je pense qu'il était déjà dedans. C'est bon, j'ai la bombe. La bomba. On va tout faire péter. Sombre. Il y a le ray tracing avec le sol, là on voit. Il n'y a plus de banc. Bon, bah, let's go, on utilise la bombe. Hein. Oh, sale. Ma petite poupée. Pourquoi essaies-tu de fuir ta maison? Je vais t'apprendre les bonnes manières. En te démontant. Ok. C'est dans le master. Oh! Il va me manger. Il m'a one shot. Oh d'accord. Ok. Bon. On prend notre distance. Ouh, putain. Ouais mais tu veux faire quoi quand c'est comme ça? Qu'est-ce que j'ai pris cher? Je vais me soigner tout de suite. Par contre, j'ai peur de ne pas avoir assez de munitions pour le boss. Oula. Oh putain, il fait chier! Mais qu'est-ce que tu fais, meuf? Moi, j'ai déjà plus de vie. Il fait quoi? Putain, il va être dur ce boss, je pense. Fait quoi, il va m'envoyer des engrenages? Oh, vas-y, tu casses les couilles! Bah, putain! Ah, il me lâche des mines, non? Cartouche Bob, c'est bien ça? Ok, d'accord, donc je risque pas de me retrouver à court de munitions. J'avais peur justement d'être dans la merde. Mission Louis, c'est pour mon arme. Essayer de me frapper pour que je puisse recharger. Ah merde. Oh c'est chiant, vas-y quoi. Viens ici, petite merde. Oh, casse-couille, relève-toi. Mais tu te prends deux hits forcément, quoi.
Ça c'est un peu de la merde je trouve quand même. Au niveau heal, ça va être la merde. C'est la merde. Il me colle au cul, ce con. Ok. Ah, oh, c'est bon, j'ai eu les munitions. Jamais j'aurai le temps de recharger. Arrête de recharger! Mais sérieusement, quoi? Putain, elle est con, quoi? Ah bah bien sûr hein. Et hop, double hit dans ma vieille gueule. Mon dernier soin. Ça va être compliqué. Et merde, j'ai fail. Il y a peut-être moyen que je le bute là. Yes. Oh putain. On se casse. Oh, comment peux-tu résister au pouvoir? Je pense que c'est la fin. J'aurais pas eu toutes les armes. Mais bon, après, c'est pas grave. Ok, bon, bah c'était bien la fin. Une scène post-crédit. Je n'ai pas avalé mon cœur d'un. Bon ben voilà, tout est bien qui finit bien. Ouais. La vérité sur les plans.
Fin. Bon, en tout cas, c'était vraiment un super bon jeu. Bien entendu, je pense pas que ça va plaire à tout le monde, hein, parce que les graphismes, encore que les graphismes et surtout le gameplay est assez vieillot. Après, c'est voulu. Bon, en tout cas, j'ai passé un super bon moment dessus. J'espère que vous avez aussi passé un bon moment en regardant mes vidéos. J'espère que vous ont plu. Donc, n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire, à aimer, à partager la vidéo et à surtout vous abonner si vous souhaitez soutenir la chaîne. En tout cas, merci d'avoir suivi ce Let's Play jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro des Archives Interdites. Si vous survivez jusque-là.